Bah, suite à une mauvaise manip, hein, on a plusieurs types de tables. Je pense que les gens, bah, ils ne savaient pas comment se plier ce modèle-ci. Et ça a arraché les équerres, voire même cassé. Ça a arraché le contreplaqué de la table. Donc il faut remastiquer avec de l'enduit et durcisseur. J'ai dû recommander des équerres en Allemagne pour pouvoir que la table soit à nouveau opérationnelle pour les prochaines semaines d'entraînement ou pour les prochaines compétitions qui auront lieu durant le mois de mars. Alors on aura une sale spé, on n'aura pas besoin de les manipuler. Mais là, le fait de les monter et les démonter, on a vite fait faire une erreur parce qu'elles n'ont pas toutes la même façon de s'ouvrir ou de se fermer. On a renouvelé le parc de table depuis 3-4 ans, 3 ou 4 toutes les années, suivant le budget du club. Il y avait deux choses. On avait des tables qui étaient obsolètes, qui étaient lourdes à porter, encombrante et on ne pouvait pas tous les mettre dans le local. Là, on a pris des tables avec un encombrement réduit de façon à pouvoir ranger au minimum 24. 24, pourquoi 24? Quand on postule pour des compétitions finale régionale, finale départementale, c'est souvent le cahier des charges qui impose ce nombre de 24. Et nous ne les avions pas. Là, maintenant, on va être opérationnel. On pourra organiser à nouveau des compètes de ce type-là.